T'as un petit programme ou t'as pas de programme? Tour de piste. Si ça se passe bien, atterrissage de précision. Ouais. Un coup à dur, un coup à un peu la gazonner aussi si c'est. Ah, elle est fermée. Elle est fermée là? Ouais. Et ben que sur la dure, on va dire au moins deux tours histoire de se remettre dans le bain. Ouais. Si ça va bien, un petit atterrissage un peu plus précis. Ouais. Éventuellement un basse hauteur. Ok. Si on peut toujours voler, on fait une sortie, on revient par écho, on se pose. Quelque okay. chose de stackabi là. Ça peut être un programme. Sinon, il y a un petit exercice que j'ai mis. Alors, le ramètre, il est noté. Avion pilote, siège réglé verrouillé, frein park. Serré, volet rentré et symétrique. Transfert carburant. Il est poussé. La mixture. Ok. Tout est off. Disjoncteur. Tout y est bien. Contact batterie. Donc tu m'as dit, voilà, on en a deux ici. Voilà. 60 litres. Donc on a plus d'une heure. On a une heure et demie. Tu me dis, une heure et demie avec les 10 minutes de réserve du local. Facile. Ouais. Et les alarmes. Elles sont testées. Batterie anti-détresse, elle est armée. Feu anti-col, on le met sur on. Verrière tirée, ceinture non attachée. La pompe, elle est sur on. On tient. Donc tu me dis qu'il est encore un peu chaud alors? Ouais, ça fait presque une heure déjà. Ah, une heure. Voilà. Un centimètre, personne devant. Les magnétos ici, là. Écoute, tu vois, nouveau câble, regarde, ça marche très bien. Impeccable. Ouais, t'as un bon retour son. Un bon retour son, il n'y a même pas besoin de le toucher. Donc, on va rester comme ça. Ça marche. Je roule pour l'embrasse, pour le parti, celui de quoi. Voilà. Très bien. Bon, ça fait plaisir de revoir l'appareil. Continuons. Alors. That 1410 UTC, runway news to 6. Caution burnt hazard. Wind 210 degrees, 10 knots. Variable between 170 degrees and 230 degrees. Visibility more than 5 km. Temperature 10, QNH 1018. Sunset 1704 UTC. Je prends l'avion deux secondes. Ouais, initial contact, actuality, information Golf, thank you. Bonjour, ici une information Golf enregistrée à 14h10 UTC, piste en service 26. Attention escavière, vent 210 degrés 10 nœuds, variable du 170 degrés ou 230 degrés. Visibilité supérieure à 5 km, température 10, QNH unité 0, unité 8. Coucher du soleil 17h04 UTC, informé l'ONU, premier contact, vous avez reçu l'information Golf, merci. Good day, this is an information golf recorded at 1410 UTC, runway news to... Zone de novembre image, je peux passer un message au nombre alpha? Oui, novembre image, je vous écoute. Oui, novembre image, message pour novembre alpha. Novembre alpha, tu peux rentrer sur le parking et te mettre sur la gauche, devant le Cessna rouge. Ouais, ça marche, je ne savais pas trop ce que vous vouliez faire, donc je suis très en attente. Je me gare à gauche face au premier avion, ça marche. Bon, ouais, je vais faire la radio dans la foulée si tu veux, comme ça. Ouais. Donc c'est le Foctan Mima au parking, ça dit le coin, on a mis en route pour des tours de piste. On va Mima rouler point d'attente 26 dur, assez près. On roule et on rappelle point d'attente 26 dur, Foctan Mima.
bataille avec la ceinture. Ouais. Voilà. Bon. Ok. Le pilote est à nouveau à bord. À gauche. On vire à gauche. Les cap diminuent, la bille part à droite, l'horizon est stable. Tour, ça va aller. Alors, c'est la main gauche qui tient le manche et la main droite. Celui-ci. 360. Le salon, bonjour, j'ai une colle pour rouler à l'aigle. Je vous écoute. Oui, bonjour, on l'a 26 heures dégagée pour rouler à l'aigle. Roulez quitte à l'aigle, je vous ai une colle. Merci, à plus tard, on roule en quitte. Bah tu vois, j'étais un peu inquiet du coup ce matin parce que je me suis dit le matin c'est bâché, on volera pas à cause du plafond et l'après-midi il va pleuvoir. Bon, finalement. Et entre les deux, il y a eu du soleil. C'était même jouable. Alors la température. Ah ben quand même, ouais. Oui, oui, ça va, ça va bouger assez vite. Donc il y a un peu de travers quand même. Oui. Bravo, un collègue, on reprend le roulage pour le parking des Aiglons. On va sur rouler quitte aux Aiglons, bravo Québec. Rouleau quitte aux Aiglons, merci beaucoup. À 1200 pieds, on avait environ 17 à 20 nœuds de travers, ouais. De vent orienté sud-ouest, quoi. 220 à peu près, ouais. Pas très turbulent. Là du sol du Fox Golf Bravo Fox Papa bonjour. Golf Bravo Fox Papa bonjour. Voilà. C'est 172 de personnes à bord au parking Fly Academy avec l'information Golf. À part pied sur les freins. Alors tu vois, finalement, tu ne dois pas avoir la bonne position parce que d'habitude. Et passe. Non. Voilà. Comme ça c'est bien. Alors. Et ses moteurs, donc on est dans l'axe, le frein de parc il est serré, sélecteur d'essence il est toujours ouvert, le transfert carburant il est poussé, température donc on a vu que ça a grimpé très lentement, la pression elle est bonne, les commandes sont tenues, pieds sur les freins. L'Alpha Bravo Victor Juliette Alpha, bonjour. Bravo Victor Juliette Alpha, bonjour. Fox Juliette Alpha, pas les pieds assez sur les freins. Au parking des Aiglons, 3 personnes à bord avec information Golf. Pour un vol sur Beauvais, retour dans la soirée. Ouais. Tant que j'avais touché quelque chose, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que t'as touché? T'as vu tout de suite. Votre collègue un Robin de Bravo Québec, et ensuite pour les points d'attente 26 dur, 26 prêt. Juliette Alpha, 3720 transpondeur, je laisse rouler le Robin et je m'intègre après, et roule au point d'attente 26 dur, et vous rappelle prêt. Ben voilà, Lilon, il a un vrai ralenti là. Ouais. 700, Après l'aiguille, elle, aussi, elle est entre 7 et 8, alors bon. Alors on remet 1200. Température elle monte, alors tout doux quoi. Ouais. Ok, donc on était dans les paramètres standards. Frein de parc maintenu, magnéto sur boss. On est sur boss. Batterie sur on, alternateur, je l'ai remis sur on. Et méthode, c'est qu'il soit déjà repassé assez vite quoi. Réchauffe carburateur. Poussé, verrouillé, mixture, elle est toujours en haut, sélecteur d'essence, transfert carburant. Autonomie, toujours sur 2. Donc, 330. Ouais. Commande. Compensateur entre 3 et 4. Ceinture et harnais attaché, pompe sur on, volet un cran vers droite, les éjecteurs sont en place, température pression et briefing. Bon, alors, décollage en 26,
On va grimper 1200 pieds puisqu'on fait des tours de piste, on va chercher le damier, on passe dessus, on revient. Bref. Décollage donc vitesse de rotation 54, montée initiale 70, montée normale 82. Vitesse de planée, donc on avait dit 8. En cas de panne mineure, avant la rotation, avant quoi qu'il se passe avant la rotation, on roule, on freine, on sort, on prévient le contrôle. En cas de panne mineure, après la rotation, en voyant qu'il s'allume quelque chose, on continue le tour de piste, on fait un panne, et on revient se poser. Et en cas de panne majeure, juste après la rotation, mayday, un atterrissage d'urgence secteur avant, et puis justement la vitesse de planée 78 nœuds, et que bourre, voilà, il y a des voitures qui nous arrêteront au besoin. Puis la vitesse la plus basse possible avant l'atterrissage. Voilà. Pas oublier qu'on va quand même pas au sol à la vitesse de planée. Oui. Oui, c'est sûr que ça se produit à 50 mètres. Voilà. Le vent on a dit qu'il venait de la gauche. Oui, c'est ça. Une bonne dizaine de nœuds. Oui. Donc manche à gauche, et hop, dès qu'on est en l'air, on reste vite. Il est 16h30, hein. Bon, très bien. Ok, je suis prêt, la température, bon, elle est à la limite du vert. Ok pour toi? Oui. Donc le circuit de piste, 1200, clac clac. Ah, ok, il y en a qui. Madison, Fox, novembre Lima, point d'attente, 26h, je suis prêt. Novembre Lima, maintenir avant le point d'attente, éveillé, 118 décimales 6. Je maintiens avant le point d'attente et je vais défendre une décimale 6, non, Lima tout à l'heure. Fox, novembre Lima, le Newtour, bonjour, alignez-vous et attendez, piste 26 dur. Le Newtour, bonjour, je m'aligne et j'attends 26 dur, Fox, novembre Lima. Novembre Lima, piste 26 2, autorisé décollage en 190 degrés, 9 à 15 nœuds. Autorisé décollage 26 2, Fox Novembre Lima. Ok. Bon. Ah, c'est bien, t'as mis les essuie-glaces. Ouais. Allons au plancher, le badin il s'active, donc on a dit du manche à gauche. Pas d'alarme. 40. 46. Ouais. Dans la rotation, faut mettre du pied à droite encore plus. Encore plus, d'accord. Eh oui, au moment où tu soulèves le nez de l'avion. Vers mon bœuf, GF Alpha. On est déjà à 80 nœuds, tu sais. Ah oui. Rappelez approchant mon bœuf. Ouais, tu peux lui mettre une assiette de l'ordre de 10 degrés quasiment, hein, si tu veux respecter les vitesses que tu as annoncées. Bonjour, alignez-vous piste 20. Bah là, oui, il faut parce que sinon. Décollage en 190 degrés, 9 à 15 nœuds. Bonjour, on s'aligne 26 dur, autorisé décollage pour le Fox. 400 pieds, 300 pieds, pardon. Plus de volée, plus de pompe, pas de réchauffe. Hein. Notre damier, il est quelque part là-bas. D'ailleurs, c'est un poil tôt et le vent va te rentrer à l'intérieur. Donc, ah, oui, fais attention. Donc, 2005, on est 1100 pieds. Ah, ça y est, bien trouvé. Le gros de la pluie est là-bas. Ouais, donc il est un peu plus au nord alors. Ouais, ouais. On va nettoyer l'avion, c'est tout ce qu'on va faire. Alors on a du 14 nœuds effectivement. Voilà. Réduit. Parce que là tu vois, avec 14 nœuds devant, mon arc de cercle il risque de se prolonger un peu trop, tu vois. Donc, on ralentit. Fox, voilà. Tango numéro 1, rappel final piste 26 2, trafic 11-23 nautique sans s'opposer, hélicoptère, route Paris 1500 pieds. Je vous rappelle en finale 26 dur et je tiens compte de temps. Donc on ferme 82. Fox, Juliette Alpha, 3 trafics en tour de piste. Les deux premiers traversent tour, un diabatique suivi d'un robin et le troisième en tout début de montée initiale, 16 nœuds. Un cran de volée, la pompe la réchauffe. 3 trafics en surveille, Juliette Alpha.
Fonctionnement Bolima numéro 2, trafic précédenté à 28, vient de passer de travers tour. Rappelez final piste 26 dur, trafic hélicoptère passe des hautes tensions 1500 pieds, route de Paris. 6 novembre Lima pour les informations en trafic, on rappelle le final le 26 dur, Fonctionnement Bolima numéro 2. Fox Juliette Alpha de Neutour, bonjour, alignez-vous piste 26 dur, autorisez décollage en 2.8 à 13 nœuds. Juliette Alpha, je m'aligne, décolle 26 dur. Fox Golf Victor Juliette Alpha, le premier trafic à 28 avant gauche. On a le visuel, hélicoptère Juliette Alpha. Reçu visuel aussi du Robin qui vient de passer le travers tour. Alors, pas encore. Fonctionnement Bolima, visuel des hélicoptères avant gauche pour un nautique. Affirme pendant Bolima avant gauche. Fox Papa, trafic hélicoptère passe le travers tour 1500 pieds, route de Paris. Hélicoptère Juliette Alpha, le deuxième Robin croise travers gauche, le troisième trafic Cessna début devant arrière. Non, on n'est pas au-dessus de l'autoroute. Allez, on n'est pas au-dessus de l'autoroute, non, non. Parfait. Là, on est dans la cour de Leroy Merlin. Ok, sur le parking de Leroy Merlin. Ça va être mieux là, non? Alors ici encore, c'est la zone industrielle, ça, ouais. Ça passe encore, mais collégien, ça passe plus. Hein. D'accord. Fox Bravo Victor, Juliette Alpha pour cause d'indicatif similaire utilisé. Python, alors, les Juliette notes de tension sont là. Trafic hélicoptère, travers tour 1500 pieds, route de Paris. Fox Juliette Alpha, reçu information trafic. Fox Papa, le trafic hélicoptère avant gauche visuel. On a le visuel pour Fox Papa et on est en début devant arrière pour la 26 dur pour un toucher. Fox Papa numéro 3, trafic précédent, Robin fin devant arrière, appelé final, piste 26 dur. Numéro 3 pour Fox Papa, on rappelle devant arrière pour le. Non, pour la 26 dur. Fox X-ray Tango, piste 26 dur, autorisé toucher, vent 190 degrés, 8 à 13 nœuds. Je touche la 26 dur au Fox X-ray Tango. Rider Juliette Alpha, visuel de l'hélicoptère qui approche le début devant arrière, route Paris. Tourner un peu tôt là. Ouais, c'est le vent qui t'a raccourci ton rayon de virage. Hélicoptère Juliette Alpha, visuel du PA28, fin de traversée. Affirme, on a le visuel et on approche mon nez. Hélicoptère Juliette Alpha, contact le centre des Moulineaux, 118 décimales 5, au revoir. Avec les Moulineaux 118, 5, 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 On est d'accord, hein, on a une composante essentiellement de travers. Fonctionnement Bolima, piste 26 dur, autorisé toucher, vent sud 7 à 13 nœuds. Autorisé toucher 26 dur, fonctionnement Bolima. Donc vent sud. Vent sud. Donc, grosso modo, quasi plein travers. Et sans composante de face. Donc pas de KVE. Le milieu de vente arrière. 73, rappeur rapide, 75 même. C'est Tango, rappelé pour débuter. Rappel pour débuter, excellent. Ralenti encore. Ralenti encore. 65,2. Voilà, on y est. Aurélie. Fox Hôtel Serra Le Neutour, bonjour. Trafic Cessna, dernier virage que pour un départ rapide. Prêt pour un départ rapide, Hôtel Serra. Fox Hôtel Serra, dans un premier temps, alignez-vous et attendez piste 26 dur. Je mène, j'attends piste 26 dur, Hôtel Serra. Gaz, plein gaz, plein gaz. Fox Hôtel Serra, piste 26 dur, autorisé décollage immédiat, vent sud 7 à 13 nœuds, trafic Robin Montenissal, tour de piste. Autorisé décollage, 26 sur Fox Hôtel Serra. Fox Papa, en finale 26 dur, pour approcher. Fox Papa, continue à approche, départ devant vous, je vous rappelle. Je vais continuer d'approche. Bon, ben voilà, on est à nouveau dedans. Ouais, c'est du bien, hein. C'était pas trop mal, non? Bah, ça va. Fox Fox Papa, piste 26 dur, autorisé toucher, vent sud 8 nœuds, trafic Cessna Montenissal, sortie est. Autorisé toucher pour la 26 dur et on a le. 8 volets, plus de pompe. Fox Papa. Alors, tout à l'heure on était un petit peu trop. Oui, ça va. Hein. Ouais, trois bons tours de piste déjà, on va voir après.
La tour de l'extrait Tango, ce serait pour débuter l'exercice PTU depuis le fin de bande arrière. Tango débuté, piste 26 sur autorité touchée, vent 190 degrés, 9 nœuds. Bon, préchauffe. Je vais chance en suite pour quitter. Un grand volet de pompe la réchauffe. Voilà seulement, vous avez touché piste 26 sur 190 degrés, 9 nœuds. Oui. Débuté, on a débuté l'exercice PTU pour extrait Tango. La vitesse. Soyuz Juliet Alpha Transpondeur 7000, quittez la fréquence. Juliet Alpha Transpondeur 7000, je quitte. Fonctionnement Brilima numéro 1 dans le pupillé, rappelez final, piste 26 dur. Numéro 1, je rappelle final 26 dur, fonctionnement Brilima. Car à droite. Et le SSRO se passe sortie sud verticale sur 100 pieds. Donc ce test sera vertical approuvé, rappelez pour quitter. Merci à la trouée, je rappelle pour quitter, Fox Alpha. Voilà, effectivement, comme ça, en regardant bien là. Gaz, X-ray Tango, merci bien. Rappelez vent arrière, Fox, X-ray Tango. Je rappelle vent arrière, X-ray. On se fait un peu pousser, tu vois, par le vent de sud. On recommence à voir l'autoroute. Bon, après, ça se joue à pas grand chose, hein. Ouais, voilà. Mais la précision, c'est la précision. Voilà. La tour de X-ray Tango. X-ray Tango, j'écoute. X-ray Tango, ça pourra encore un exercice PTU, s'il vous plaît. X-ray Tango, rappelez pour débuter. On rappelle pour débuter, X-ray Tango. Fox Papa numéro 2, trafic précédent Robin Bass, rappelez final piste 26 dur. Et on va rappeler final 26 dur, Fox Papa. Alors là, ah oui, on a du 13 de chaque côté là. Ouais. Ouais, bah en sortie de virage, oui. Voyez toujours Fox dans Brolima final pour un toucher 26 dur. Fonctionnement Brilima, piste 26 dur, autorisé touché, vent 190 degrés, 9 nœuds. Autorisé touché, Fonctionnement Brilima, 26 dur. Alors, deux petits détails. Ouais. On dit plus autorisé touché quand on répond, on dit je touche. Alors, on dit j'atterris. D'accord. Et deuxième chose, tu viens de me sortir les volets à 83 nœuds. 83 nœuds. Oui. Donc, attention à pas sortir les volets au-dessus de 80 nœuds. Ça abîme la commande. D'accord. Fox Hotel Serra Transpondeur 7000, quittez la fréquence à tout à l'heure. Fox Hotel 7000, je quitte à tout à l'heure, Fox Hotel Serra. Le deuxième cran, c'est en dessous de 82. Fox Fox Papa, si possible, prolongez un peu la vente arrière pour permettre un exercice de PTU devant vous. On prolonge la vente arrière pour Fox Fox Papa. Le vente arrière pour X-ray Tango pour débuter la PTU. Fox X-ray Tango est débuté, rappelez courte finale, piste 26 dur. Rappel courte finale, 26 dur. Tu mets le manche en avant de tes genoux. Comme ça, t'es certain de comprimer l'amortisseur. Mais pourquoi tu mets pas plein gaz là? Je sais pas, ouais. Ça fait deux fois, oui. Fox X-ray Tango, piste 26 dur. Tu l'entends pas le moteur qui se plaint de ne pas être plein gaz? Non, non, mais au moment où tu l'as dit, je suis en train de me dire, il y a un truc qui va pas. Bah oui. Je me disais pourquoi le moteur il rugit pas. Bah. C'est le même prix à l'heure de vol hein, si tu mets plein gaz. Hein. Ouais, ouais, bah ouais. Tout est compris dedans. Ouais. Ouais, je te disais, tu mets le roulage. Avance un poil le manche, tu vois, au niveau de tes genoux. D'accord.
Comme ça, t'es sûr de pas être trop manche arrière, amortisseur des gros primés, roulette, un coup oui, un coup non. La situation, elle est bien. Bien voilà. Ça évite tes surprises. Ouais. Bon, quand il y a des vents de travers. Quoi. Alors, tu veux faire un atterrissage dit de précaution? Un petit troisième comme ça, normal. Un petit troisième comme ça. Je le sentais déjà mieux le deuxième. Ok, bon, le premier était bien, le deuxième était bien aussi. Hein. Ouais, mais là je sentais que c'est pas pareil. Toi, il y a juste le plan qui était en finale un peu exotique, on va dire, parce que je t'ai perturbé. T'es posé en finale. X-ray Tango, vos intentions? Pas pour un complet. Si vous souhaitez faire une PTU ou poursuivre dans le bouclier? On fait un bouclier standard. On se voit que X-ray Tango numéro 2, trafic précédent, Robin, fin de vente arrière, appelé final, piste 26-2. Numéro 2, rappel final 26-2, X-ray Tango. Fox Nomambre Lima numéro 1, rappelé final, piste 26-2. Numéro 1, je rappelle final 26-2, Fox Nomambre Lima. À 8 degrés dehors, je me disais, c'est quand même pas si chaud que ça. Ah non, mais ce matin, c'est pour ça que ça n'a pas évolué rapidement, hein, parce qu'on avait un point de rosée à 4 degrés, une température à 4 degrés, hein, toute la matinée. Oui, hein. Donc il s'était bien installé, quoi. Ça, ah oui, ça a décoincé vers midi, midi et demi, hein. Péniblement. Hein. Fin de trace. Lima, piste 26-2, autorisé toucher vent sud vineux. Autorisé toucher 26-2, Fox Nombre Lima. Fox Papa numéro 3, trafic précédent, PA 28 base, rappel voilà. Final. Voilà, tu vois, c'est moins dur à sortir, 75-2 avec la 83. Rappel final de 26-2. Beaucoup moins d'efforts sur la commande. Bon, alors là par contre, je sens le travers, mais je ne suis pas dans l'axe. Voilà. Bah, 8 nœuds au sol, ça veut pas forcément dire que t'as rien en l'air. Hein. Ouais, bah oui. Tu vois, on est à. Ça, voilà. Gradient, il monte vite, quoi. Voilà. Il y a 250 pieds sol et on a 15 nœuds. Hein. Un gradient. Fox, X-ray Tango, continue à approche. Trafic, Robin, courte ton tour de piste, je vous rappelle. Rappel court avec très Tango. Fox
Manche donc un peu en avant, pour être sûr. Hop, un cran. X-Rectango, piste 26 dure, autorisé bon. Atterrissage, vent sud de Vino. Le pilote revient dans son côté, avant que ce soit l'inverse. Bon, je dirais, allez, juste pour la forme, un quatrième et pour le plaisir. Alors je te propose, on fait l'atterrissage à 1,2 VSO. Ouais. Là tu vas me la calculer pendant la vente arrière. Ouais. On touche, basse hauteur, une remise de gaz, basse hauteur complet. D'accord. Plus de volée, plus de pompe, pas de réchauffe. Et je ferai la radio dans la séquence passé hauteur. D'accord. En train de calculer et je suis monté à 1000 quoi. Dégagé, Fox Rectango. À quelle position, Fox Rectango, avec le sol. Fox Rectango, au final 26 2, point touché. Fox Rectango, par votre piste 26 2, autorisé touché, bon, sud de Vineux. Autorisé touché pour 26 2, Fox Rectango. Ok, tu prépares ta machine et après tu m'annonces ta vitesse d'approche à 1,2 VSO. Ouais. Alors, un premier cran, une pompe, une réchauffe, on est 1200 pieds, 80 nœuds. Alors à 1800, ce n'est pas assez stable. À 1900 d'ailleurs, c'était limite. Donc de mémoire, c'est 47. En 47, oui. Thèse de décrochage plein volet. Donc ça fait un dixième, ça fait 0,47 fois 2, ça fait 0,9, ça fait 9. Donc ça fait 9 plus 47. Voilà. Donc ça fait 56. Voilà, 56. Et ça, c'est à la masse max. On est loin de la masse max. Donc ouais. Tu sais qu'à 56 nœuds, même si c'est 56,4. Ouais. Donc 56, ça ira très bien. Hein, ouais. Puisqu'on n'est on est pas à la masse max, loin de là. Bien. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses une approche déjà dans ta finale un peu plus ralentie que d'habitude. Ouais. Donc pour la tenir avec un peu plus d'incidence, oui. Donc un peu plus de traînée, donc un peu plus de puissance, un vario plus faible, une assiette plus plate. D'accord. Donc ça ne veut pas entrer pour l'heure d'un exercice d'encadrement. Fox, Fox Papa, appelez vertical face au sud pour débuter. On va faire vertical face au sud avant de débuter, Fox, Fox Papa. L'hélicoptère Fox Tango, bonsoir. Fox Mike Tango, l'un auto, rembonsoir. Allez, la fin d'offre, Fox Hotel Jet 5 Tango, retour de hélice technique, c'est du signal pour les Bolino, on est à 2 minutes de écho. Un effort permanent, libre bien, parce que là tu vas en avoir besoin. Ouais. Fox Mike Tango, transpondeur. Ce jeu a pas grand chose, mais. Ah oui. 1500 KNH, 1018, piste 26. Plus de peu de doigts. Approchant écho. 1018, c'est 42, 17, pour appel à approchant écho. Fox Nomon Bolima numéro 1, rappelez final, piste 26 dur. Numéro 1, rappel 26. Final Fox en Lima. À l'issue, ça sera deux basses hauteurs. Moi, c'est pour les intentions. Donc, alors là, on fait encore plus attention à la vitesse pour pas avoir à la perdre. Voilà, stabilise le plus tôt possible. On a dit 56, donc si tu peux faire une finale à 62, 63 nœuds, c'est bien. Ouais. Là, tu vas t'éloigner de tes préaffichages habituels. Hein. Ouais, on est un peu haut. On est bien, regarde, il y avait deux blanches, deux rouges, et là, on vient juste de creuser dans le virage. Voilà. Bon, alors. Allez. Un cran de volée. Ouais. Alors, tu fais la radio, là. Je ferai la radio quand tu auras fait ta checklist. Donc, la pompe, la réchauffe, deux crans de volée. On est 66. Voilà, va chercher ton axe.
Fox Noman Belima, le premier sauteur ne passera pas. J'ai un trafic Cessna qui va débuter une PTE sera conflictuel. Donc pour le premier, poursuivez dans la montée initiale et suivez le circuit peuplier. Piste 26 dur autorisé, touché, vent sud, 8 nœuds. On touche 26 dur et on fera ton car publier Fox Noman Belima. Fox Noman Belima, on approche de la verticale pour débuter. On est sur du 66. Rappelez traverse sud, piste 26 dur. Trafic urbain en cours, tantôt de piste. Bravo, par rappel, travers sud de 26 dur. On a visé sur trafic Fox Noman Belima. Fox Noman Belima, on arrive à Echo. Fox Noman Belima, Tango, poursuivez le transit, rappelez approche en modeste. Pas trop d'acide positif, de la puissance. Tenir ta vitesse. Voilà, c'est bien. Et là, tu commences à cabrer un petit peu plus, voilà, sans forcément lever de puissance. Voilà, et là tu le tiens au gaz, puissance, sans trop tirer sur le manche, puissance, puissance, un jouet plus, voilà, et tu l'accompagnes au sol avec les gaz, voilà, allez, tu le poses, au moment où les roues touchent, tu coupes, voilà, on s'est posé à 51,2, alors 52, voilà. Voilà, et là si tu avais freiné, tu serais sorti ouais. Ah ben oui, là, oui. Très 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 largement avant la médiane, hein. 51, ouais. Avec un bip bip, sans plus que ça, quoi, tu vois. Par contre, si tu je t'enlève les gaz, boum, l'avion il se pose. Hein. Ouais. Donc, je m'envoie des si vous souhaitez, le bas sauteur est approuvé. On y va alors. Hop, là, sans la réchauffe, c'est mieux. Voilà. 700 pieds maximum. On est. Fox Mike Tango, trafic Robin en début de. Avec ça allait passer. A changé d'avis. Voilà, palier demi-tour. Donc le bâtiment jaune, ouais, c'est ça. Un trafic hélicoptère passe le travers tout route Paris Nice 500 pieds. Bien pris, visuel, non, Lima. On se fonctionne au moment de Lima. Poursuivez pour la dure. Trafic Cessna en course en tour de piste, je vous rappelle. Nous poursuivons. 80, Fox, Charlie Maro, bonjour. Tout va bien. Okay. Charlie Lima, donc là on est bien, on a le sommet posé sur la piste. Ouais. Hélicoptère 844. Après c'est les vitesses normales. Le retour de la base dans Cincinnati à 3 minutes de point écho pour vos installations. Ce Charlie Lima, transpondé à 3730, rappelez écho. Avant le virage, encore un peu. D'accord, donc les gros bâtiments qui sont là. Ouais, c'est ça. Pour retourner en dernier virage, nord Lima. Donc ce Novembre Lima, piste 26 dur, autorisé touché vent sud vineux. 26 dur, on touche ou on fera une option. Fox Mike Tango, contactez son donc ça sera remise de gaz au seuil, et on refait la même chose et on fait un complet. Ok. Donc là, ouais, petit tronçon de ligne droite parce qu'on est face au vent. Ouais. Ne descends pas trop pour ne pas subir les turbulences des hangars. Va retrouver ton plan, vas-y. Voilà. Là, tu peux réduire et te mettre en descente. Un peu haut. Remise de gaz au seuil. Hein. Remise de gaz au seuil, d'accord. Allez, donc, hop, hein, l'assiette. Fox Papa Alpha, Manetton, bonjour, alignez-vous et attendez, piste 26 dur. J'ai l'impression que c'est voilà. Papa Alpha, bonjour, nous alignons. On prend la vitesse. Ouais. Bonjour, GF. Et on raccompagne. Ouais. On a accompagné 77 nœuds. Ben, on avait dit deux basses hauteurs, donc on ferait bien le deuxième pour un complet. Pour les fonctionnements, Benima, rappelez dernier virage. Rappel dernier virage, Jean Benima. Voilà, avant la Papa Alpha, piste 26 dur, autorisé décollage en sud de Vineux. Voilà. Donc le Papa Alpha est autorisé au décollage. On garde la pompe. 700 pieds palier, on garde la pompe, un cran de volet. Bon, un cran de volet. Voilà, 700 pieds en pied. Voilà, si t'es joueur, tu peux... Fox, papa, vos intentions. Tu peux conjuguer le basse hauteur et l'atterrissage de précaution. Numéro 1, rappelez final piste 26 et là, dur, je venais dimanche je détecte à 1400 pieds. Numéro 1, rappel en finale pour la piste. Venez dimanche. On est toujours qu'une H1018, ça va voir. Firme. On est bien 1018, ça va voir. D'accord.
Fox Novembre Lima, piste 26 dur, autorisé atterrissage en sud Vine. On atterrit 26 dur, Novembre Lima. Voilà. Bah, sort tout de suite, dévolé. T'as pas le temps à monter les chiens, ce serait pour un virage, pour un retour de verticale des installations pour un départ sud. Je t'en passe à approuver, rappeler pour quitter. Voilà, soutiens-le un peu. Ici, la verticale, on va pas l'interquitter. Tu le soutiens pour réduire ta vitesse, et dès qu'il y est, tu obtiens la puissance. Dans le public. Voilà, d'accord. 69, voilà, continue comme ça. Inclique-toi, va chercher ton axe, ton plan. Pas trop de puissance, pas trop. Parce que l'on doit descendre quand même, là. Oui, je la réduis. Voilà. Tout réduit, je surveille. Ouais. Voilà, et là tu le tiens au gaz jusqu'au contact des roues. Fox Charlie Lima, exécuté approche direct, piste 26 gazonné, numéro 1, rappelé final. Trafic Cessna approche la fin de vent arrière pour la dure. Voilà, laisse descendre, tu coupes les gaz, coupe. Reçu pour le trafic, numéro 1, et vous rentrez arrière. Fox Papa, trafic hélicoptère Paseco, langue finale gazonné. On s'arrête. Encore tu freines modérément, hein, si tu avais voulu freiner plus. Québec, Kinza, Alain Autour, bonjour, alignez-vous et attendez, piste 26 dure. Après. Bonjour, bonne soirée, Alain Autour, piste 26 dure, Fox Québec, Kinza. Fox Québec, Kinza, piste 26 dure, autorisé décollage vers sud Vineux. Ce décollage, piste 26 dure, Fox Québec, Kinza. Bon, Fox Papa, du jet de l'hélicoptère qui approche l'autre. On bascule. Bonjour sol, le 26 heures dégagé, Fox Novembre Lima demande roulage au parking. Vous voulez quitter votre parking, Novembre Lima? Je roule, je quitte au parking, Fox Novembre Lima, bonne fin de journée. Merci de même. Voilà, si on avait fait un freinage plus appuyé, on s'arrêtait quasiment à mi-chemin entre le seuil de piste et la bretelle. Donc ça fait 150-180 mètres. Et donc encore. Bon, on est très léger, on n'a pas beaucoup d'essence. Ouais. La vitesse était tenue, le petit composant devant de face qui nous freine. Donc, alors le temps qu'Oscar a mis en route, donc je te suggère qu'on se mette nez à nez avec un Cessna et on le poussera dans les hangars. C'est bon, on va se mettre le plus près possible du hangar. Oui, mais lui il démarre là. Oui, d'accord. Je croyais que tu voulais rester dans l'axe. Ah non. Voilà. Hop, parfait. Ok. On tourne. Clac. Alors, on coupe. Que monsieur l'instructeur est content de l'élève. Ah, de l'élève. Oui, ça va, ça se passe pas. Ça va. Bon. Cela étant dit, tu vois, au premier atterrissage, ça allait, mais je sentais que j'étais pas encore bien dans le truc. Au deuxième, je sentais que j'étais mieux dans le pilote, quoi. Mm-hmm. Et au troisième, bon, ouais, c'était revenu, quoi. Bah ouais. Globalement, même le premier était convenable. Oui, oui, mais c'est au niveau des sensations, tu vois, des choses. T'as pas l'impression encore que. Voilà. C'est bien, hein, mais bon. Allez. 42 minutes. C'est ça.